Bon, yo tout le monde, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, les gars, ça fait maintenant quelques jours que Bijou est en voyage là aux États-Unis. Depuis son voyage, il nous a appelé seulement une fois. Il a appelé ma mère une fois, ma soeur une fois et moi une fois. Seulement pour nous dire, oh, allô, vous allez bien, vous faites quoi, je vais bien, on a gagné un match et ben c'est tout. Et on n'a pas eu plus d'updates à part ça. Mais Bijou, il revient aujourd'hui. Il revient aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on aura des updates. Donc peut-être que je serai sur 4 vidéos aujourd'hui même. Je vais aller chercher Bijou tout à l'heure. Là, et je vais faire une vidéo. Donc, active la cloche. Je ne sais pas encore déjà fait. Parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne, mais qui ont désactivé la cloche. Là. Et active la cloche, ok? Dès que je vais chercher Bijou, je vais faire une petite vidéo avec lui pour voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et tout, comment c'était, est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont perdu, ou quoi, 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 quoi. Donc, c'est ça. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais dit qu'on va être dans un nouvel endroit là, ici. Parce que ce n'est pas l'endroit où on a l'habitude de faire nos vidéos là, c'est un peu différent, vous le voyez, ceux qui sont habitués à la chaîne. C'est une toute nouvelle chambre, c'est différent. On va être ici pendant un bon bout de temps, donc les habitués à la chaîne, ne soyez pas choqués si vous voyez un nouvel endroit. Et puis, pourquoi j'ai commencé la vidéo même? Ah ouais, pendant que je rangeais les affaires, j'ai trouvé ça, ok? Attendez, il est où? Chef, mais j'espère que je l'ai perdu. Oh non. Oh, il est là, il est là, il est là. Je ne pense pas que vous avez tous la rêve parce que la vidéo de contrat NBA, là, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je l'ai sorti quand j'avais à peu près 7-8 000 abonnés. Donc là, si tu avais vu la vidéo quand je l'avais sorti, ça veut dire que t'étais vraiment là il y a longtemps, là. Mais tu vois, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je pense pas que vous avez tous vu la vidéo dès qu'elle est sortie ou vous l'avez pas du tout vu tout court, tu vois. Donc là, pendant qu'on rangeait les affaires pour venir ici, dans ce nouvel endroit-là, j'ai retrouvé ce papier-là. Et c'est ouf parce que la vidéo-là, elle date d'il y a à peu près 2 ans, 2 ans, 3 ans, je vais dire à peu près. Et puis, c'était un prank que j'avais fait à Bijou. Je lui faisais croire qu'il allait à la NBA. Donc voilà le contrat. Bijou, il a signé même. Donc j'ai vraiment retrouvé le papier là pendant qu'on rangeait les affaires. Genre, c'est vraiment fou. C'est exactement le même papier là. Il est juste un peu sale, tu vois, parce qu'il est là depuis longtemps et tout. Frère, il y a la gomme. Ok, c'est de l'eau. J'ai même oublié comment s'est déroulée la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis, les gars, il y avait un petit hitch, ok? Un petit piège là. NBA, c'est pas la NBA National Basketball Association. Damn! Bon, je l'ai dit comme ça, frère. La façon dont je l'ai dit là, ça sonne professionnel, hein? National Basketball Association. Oh, ça, c'est fou. Donc, ouais, le petit hic était que c'était pas vraiment la NBA Basketball, mais c'était la NBA nominée beau gosse à vie. Les gars, avouez, je suis fort, hein? Avouez, je suis fort! Nominé beau gosse à vie, NBA. Donc, là, Bijou, il a signé ici, ok? En bas, c'est écrit. Veillez à lire le recto de la feuille. Donc là, de l'autre côté, veillez à lire. Frère, ça se dit, veillez lire le recto de la feuille. Mais bon, bref. Là, il retourne le papier et voilà ce qu'on voit, les gars. Nominé beau gosse à vie. Donc, en signant ce papier bijou, tu as été nominé beau gosse à vie. Ensuite de ça, regardez ici. Après avoir signé ce contrat, tu respecteras toujours ton frère et tu écouteras tout ce qu'il te dit. Tu joueras seulement 2 heures à la play par semaine. On commence déjà avec la première ligne, il n'a pas respecté. Si ton frère te dit de faire quelque chose, tu es obligé de le faire. Oh, ça, il n'a pas respecté. Ça, c'est mort. Bon. Me respecter, moi, 50-50. Bijou, ça, il n'a pas respecté dans le contrat. Ça, je vous dis qu'il n'a pas respecté. Pas de manque de respect. Pas de cri. Bon, on va commencer avec le manque de respect. Non, le manque de respect. Ah non, ce petit-là. Oh non, 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 il est fort. Bijou, il est fort. Non. Le manque de respect aussi. Ça a rayé sur la liste. Il n'a pas fait. Et ensuite, le pas de cri. Bon, il crie beaucoup, hein. Il crie beaucoup. Même, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a à peu près 5 jours, on était là dans la chambre. J'ai oublié qu'est-ce que je faisais, mais il a crié. Il était 22 h, il a crié. Maman est venue, elle a dit, Pichou, t'as quoi? Pourquoi tu cries? T'as un micro dans ta gorge ou quoi? Le contrat NBA, nominé beaucoup sa vie, Bijou ne l'a pas respecté. Hein. Bijou ne l'a pas respecté. Donc, si tu regardes la vidéo, Bijou, il faut que tu me rembourses là. Il faut que tu fasses quelque chose là parce que tu ne l'as pas respecté, Bijou. Tu ne l'as pas respecté. T'as signé un contrat, frère. Heureusement que je l'ai retrouvé. Tu as signé un contrat. Sinon, j'ai fait une copie là pour le garder à côté. Pour ne plus le perdre. Tu as signé, Bijou. Tu as signé, Bijou. Ok. Ah ouais, chef. Je pense qu'il n'a même pas la même signature aujourd'hui. Hein. Les gars, je voulais juste vous faire un petit update par rapport au contrat de Bijou. Contrat NBA. Que j'ai retrouvé quelques années plus tard dans les affaires et tout. Et puis, il n'a pas respecté. Donc là, je vais essayer de l'appeler. Et puis, on va regarder la vidéo tout à l'heure là pour voir. Pour se rappeler un peu comment ça s'est déroulé la vidéo et tout. Mais c'est pour ça qu'il a de l'internet, les gars. Parce que. S'ils sont actuellement sur la voie du retour, il n'a pas d'internet. Parce qu'il est aux États-Unis. Aux États-Unis, il ne peut pas utiliser ses données mobiles du Canada aux États-Unis parce que ça va coûter plus cher. Parce que c'est un autre pays. Mais il peut appeler sur WhatsApp. Donc là, je vais l'appeler sur WhatsApp. Pour voir. S'il ne répond pas, je pense qu'il est vraiment occupé. Ou ils sont en route. Ou ils ont pas fini de jouer. Ils ont un dernier match. Et puis après ça, ils vont. Allô, Bijou? Bijou? Vous avez fini? Tu vas rentrer vers quelle heure à peu près? Non, 16 h. minuit. Ah, minuit?
Mais... Ok, donc je vais venir te chercher. Attends, hey, bijou. T'as pas respecté le contrat NBA là, hein? Je l'ai retrouvé le contrat NBA, t'as pas vraiment respecté. Tu me dois quelque chose là, non? Tu vas me donner de l'eau. Mais juste, je te garantis quelque chose va disparaître de toi, Abo. Tout ce qui est sur la liste là, tu les as pas respectés. Donc là, est-ce que tu pourrais. Non, on se voit tout à l'heure et on verra ça après. Ok? Reviens d'abord. On habite dans le même endroit, non? Reviens. Reviens d'abord. Tes souliers là, c'est bon. Ah, tes souliers sont devant moi en plus. Ouais. Ok. Donc les gars, on va aller voir la vidéo vite fait. En même temps, je vais la découvrir en même temps devant vous. Ben, découvrir, c'est moi qui ai fait la vidéo. Mais vous avez compris. Quand je découvrais, c'est genre, je vais la regarder devant vous. Ouais, elle a fait 23K. Ouais, j'ai même pas remarqué. C'est une vidéo tellement ancienne, genre. Je vais pas venir tous les jours voir, elle a fait comme une vue, là. Oh, les commentaires sont désactivés, chef. Je me souviens, c'est YouTube qui avait désactivé les commentaires. Dès que j'ai posté la vidéo, les commentaires étaient désactivés. Là, je les ai réactivés. Ensuite de ça, 20 minutes plus tard, YouTube les a encore désactivés. Là, je les ai réactivés. Ils ont encore désactivé, réactivé, désactivé. Et là, je pense qu'à un moment, je les ai juste réactivés. J'ai laissé la vidéo comme ça parce que j'ai continué à poster des vidéos. En soi, je ne sais même pas c'est quoi la raison pour laquelle YouTube désactive les commentaires sur ces vidéos-là. Je ne sais vraiment pas. Est-ce qu'ils pensent que je suis méchant, genre, c'est pour ça? Dites-vous, les gars, avant, je faisais mes vidéos avec mon téléphone, vous savez. Avant, je n'avais pas une caméra comme ça. Comme actuellement, là, j'ai une caméra. Je sais que je suis beau. Allez. Mouah. On va regarder un peu. On ne va pas regarder les 13 minutes complets, ok? Juste un peu. Toi là, tu deviens violent. Non, je me calme pas. Non, calme-toi. Regarde. J'ai fait un entraînement pour rien alors. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Check mes cheveux, frère. Hier sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait des sélections pour une équipe de basketball pour des garçons d'âgés d'entre 11 et 13 ans. Lève-toi. Quoi? Lève-toi. Quoi? Devine quoi? Quoi? Tu vas aller à NBA. T'es faux. Ça c'est faux. Je sais, je t'ai inscrit. La voix des budgets est tellement mignonne, moi, avant. Non, c'est faux. Ça n'existe pas. Donc là, on va y aller maintenant. Je t'ai inscrit. T'es sûr? Ouais. Il n'a rien. Ok, si je rentre ça, tu likes la vidéo, ok? Si je rentre ça. Tu te sens comment, là? Stressé. Mais non, faut pas être stressé. Jamais stressé. Il faut pas que tu dises le mot NBA. Tu n'as pas parlé de la NBA à personne, ok? Parce que je me dis que ça doit être assez confidentiel pour chaque joueur, ok? Donc ne dis pas le mot NBA, ne pas parler de la NBA, d'accord? Ok? T'es écouté ou pas? Tu m'entends ou pas? Dis oui, t'es. Ok. Let's go, allez, vas-y. Tu reçois, vas-y. Ok. Oh, okay. My. Oh, oh, vas-y, ça saute? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, Marc, vas-y. Let's go. Ok. Oh putain, bijou. Oh putain, sa jump shot était tellement bizarre avant, gros. Si lui de ici, comparé à lui de maintenant, fait un 1v1, je pense que lui de maintenant le pète, bon. Il le pète de 20 à 0. No cap. Tiens. Let's go. Ça rentre. Oh. Oh, hell. Ça rentre. Ça rentre. Oh putain. Oh, il rate un lob. C'est le stress. Tu vas l'enlever? Là, t'as rien rentré là jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe là, bijou? T'es pas encore chaud, hein? Mais échauffe-toi. Ça commence, vas-y. Vas-y. Rentre-toi pour moi. Oh putain de merde, oh non. Oh, c'était catastrophique, bro. C'est la catastrophe, bro. Allez, les matchs commencent. Oh, les matchs ont commencé. Let's go. Oh my god! C'est proche. Mais il est chaud. Allez, let's go. Meilleur de jeu là, vas-y, ok. Oh. Qu'est-ce que je... Il fait la passe à qui, bro? Attends, pourquoi tu te fâches? Il a fait la passe à personne, il n'y avait personne là. La balle est sortie, il est comme ça. Bon, les gars, on va avancer là, c'est bon. Allez voir la vidéo si vous la voulez, bro. Descendez sur la chaîne. Allez voir toutes les vidéos. Si t'as pas vu toutes les vidéos de la chaîne, bro, il y a un souci. Toutes les fucking vidéos, bro. C'est-à-dire qu'il va pas à l'NBA. Donc voici le contrat, c'est écrit contrat NBA, signé ici. Donc il va signer ici, il va voir le logo, donc il va vraiment croire que c'est la NBA. Mais il va pas voir ça, qui écrit en petit, veuillez lire le recto de la feuille. Yeah.
On peut voir c'est l'original, les gars, c'est l'original. Nominé Bogos Avi. Donc, en sciant ce papier-là, il est nominé Bogos Avi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va à la NBA. Et ensuite, ici, j'ai ajouté quelques règles. Respecter son frère, jouer 2 heures la play par semaine, obligé de faire tout ce que ton frère te dit, pas de manque de respect. Et ici, j'ai écrit, pas le droit de dire que ce n'est pas juste, parce que ça se peut qu'il le dise. C'est pas juste, c'est pas j'ai juste. J'ai pas lu celui-là, je n'ai même pas remarqué. Donc, voilà comment je vais le montrer qu'il ne va pas vraiment à la NBA. Je ne vais pas lui dire seulement, tu ne vas pas à la NBA. Allez, on y va. Quel bénéficiaire. Ah ouais, c'est un gros basketteur. J'aimerais juste te dire la vérité. En vrai, tu vas pas aller à NBA. Je trompe. Dis-moi, c'était quoi l'entraînement alors? Non, l'entraînement c'était juste pour l'équipe normale. Ah, j'ai aussi. Non. Ok, j'ai signé le contrat NBA. Contrat ouais. NBA. Ouais, je sais, contrat NBA, mais il y a un souci. T'as pas lu le contrat? T'as signé quelque chose sans le lire. C'est est-ce qu'on fait ça? NBA. Oui, mais est-ce que. Signé. Est-ce que t'as lu les lignes? Non. Voilà la définition de NBA. Donc, t'es nominé Bogos Avi. Ok, t'es nominé Bogos Avi. Donc, je vais t'appeler Bogos tous les jours. Junior. Je peux t'appeler Lève, Vilain, non. Junior. Bogos Avi. Junior. C'est NBA. J'ai fait un entraînement pour NBA. Non. J'ai fait un entraînement pour NBA. Je crois pas à ça. Ah ouais, donc, ok, bon, les gars, je vais arrêter là, je pense. Likez la vidéo, abonnez-vous, c'est pas quoi j'ai fait. Et puis, peace.